Pourquoi je t'applaudis? Tu vois pas, moi, c'est pas Marie-Alice. Il m'appelle Charlotte. Moi, les régisseuses. Oui. Malheureusement pour moi, je me ressemble à elle. Je cause comme elle. Je marche avec un jambe plus courte que l'autre comme elle. Mais moi, elle n'est pas elle. Quand même, la dit gardien. Tu vois pas? Mon DIA plus petit que la sienne, non? Et puis là, regarde la lumière. Ça, c'est pas un éclairage spectacle, ça, non. Enfin, mal exigence au niveau de la lumière, hein. Les pecs, ça, tu éclaires sa figure, hein. Faut dire qu'elle travaille le DF, il doit être pour ça. Non, moi, c'est pas Marie-Alice, non. Moi, là, en quelque sorte, son avatar. Avatar, m'a dit madame, pas bâtard. Si c'est quoi, si c'est le premier rang, foutu n'importe quoi, ça déjeuner là-bas, hein. Non, au niveau de la lumière, elle n'est pas ça pour éclairer à elle. Non, 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 non. Combien de fois elle l'a fait en manche à moi parce qu'elle n'est pas assez bien pour éclairer son petit figure intéressante. Elle m'a dit, allez-moi. Souvent, elle n'est pas bon mon travail. Il n'a qu'à dire au producteur acheter un carbine pour éclairer votre petit figure. Ah, mais femme là, là. Ha! Faut voir hein, quand elle répond en graine à nous, là. Il faut entendre à elle. Guito! Oui, m'y connaît. Un femme siffle comme un bouc est toujours impressionnant. Il inspire le respect, hein? Ouais. Là, nous, on traîne pour pisse de bout, nous, là. Quand nous, gars, fait ça, on a l'égalité. Envoyez un coup l'effet 48, ben. C'est ça ou que l'effet clair-obscur, là? Dernière fois où la vie fait noir, t'es con. Achetez un moment une graine. Envoie l'effet 49, alors. Ah, bien, il y a qu'une lumière comme ça, paratia caria, que ça veut faire. Ben, tout le monde, mon gars, là, ça va être titulaire, ça, bonne stagiaire, jeunesse de merde, là. Ça va être titulaire, ça. Change un pile d'un lampe de poche, c'est pas capable. Ça n'a BTS en poulet lumière, ça? Va titulaire, tant que moi, elle est là où titulaire, pas un merde, ou. Ah, moi, elle en a 20 ans, mais travaille dans le théâtre, moi. Moi, elle a gravi les échelons, N par N. Ouais. On m'a commencé, m'a dit Cable Woman, moi. Si? Moi, t'es râle, tam! Comme ça, sur mon épaule, comme le zon même. Après, m'a enchaîné, m'a fait un petit peu. Cordis. En l'air, là, m'a monté le grill, là. T'es chambon le bec, la lumière. Ben, là, t'es veux pas donner à moi le poste. Mais après qu'elle a vu ma gagne dessus mon CV, t'es écrit ma gagne meilleur prix grimpeur pied coco 93-94. La dame à le poste. Ma sorte, ma chante, ma promotion, hein. Ben oui, ma monte dessus pied coco, la ville à Vierge, ma monte en l'air, hein. Saint-Paul, ma vie sans, hein. Des autres. Ben. Après, ma fait un petit peu syndicalisme, hein. Bonne syndicaliste, grand qui grand gueule, là. M'a fait ça, moi. Ben, bonne 35, c'est moi, ça. La semaine à 35 heures. La pause café en 35 minutes, la retraite à 35 ans, c'est moi. Ha! Tous les 35, c'est moi. Avec moi, il gratte pas le kim, peut-être, hein. Mais ben, pour dire un exemple, un coup, Johnny Hallyday, elle y fait conseil à la réunion. Absolument, Live chante au mari, c'est un plateforme hydraulique. M'a dit, tonton, ici, c'est la réunion. Soit on chante au mari à Théola, soit on chante au mari dans l'église à délivrance Saint-Denis, soit il fait annuler le concert. Et ben, elle n'a pas manqué, m'a fait annuler le meilleur même. Avec moi, il gratte pas le Kim, petit azote, hein. Il peut être le qui riche de Johnny, hein. Pas avec ça, hein. Bon. Bon, même il a fait l'autre test. Goldies! Test micro de secours, ça y est. Là-bas? Non, non, vaut mieux me s'agrader moi-même parce qu'en général, bonne graine, il marche par deux, ça. Non, mais ça vérifie, mais ça vérifie. Ben. Micro de secours, elle est là? Ouais.
A ou la règle micro là? Qui ça dit Nico Azab dans sa cosy, quoi? Tu vois pas le micro, c'est y arrive, donne tété la star à la dent, t'as besoin de t'emmener en manche à moi, quoi? Tu crois que t'étais né à la bouche? Oula, le gauche, on dirait? Entre les deux, c'est le gauche le plus maladroit encore, ou. On sort d'un maillot. C'est pas possible, c'est un bout comme ça. Ça vous a fait en graine à moi-même, tu connais, femme-là, les dangereuses, hein? La potomycose avec Zotou Warael là-bas dans la loge. Ah, les parieurs, elles malgache là-bas dedans. N'a coiffeuse, n'a maquilleuse, n'a habilleuse, n'a jusqu'à l'épilatrice. Tu l'as plus main. Non, mais sous le bras. En bas, là, il peut être comme ça s'il veut en brushing, mais pas avec ça, hein. Mais ça, pas ni là en maillot de bain quand même. J'espère que t'es un peu de moule, non? Non, non, mais elle, la façon dont elle, là, donne-t-en lui 14, ça t'es maîtresse le roi, hein? Marie-Alice Sinamon, c'est une dictatrice de l'humour. Son bonne auteur à la Faubourg avec Jean-Dino, ben elle est séquestrée tant qu'il trouve pas le sketch qui mettait elle en valeur. Mais mettre en valeur, quoi, t'as bien le gars là, toi? Ils mettent en valeur ça qui gagne plus. Non, mais son producteur, pareil, il est endetté, le bougle est endetté. T'es obligé d'hypothèquer son casque, mettre son figuier en 4 pas en 3 dans toute l'île La Réunion. Ah non, mais même moi, hein? Et là, cette année, il n'a pas trouvé mieux que d'institution spectacle Alice Yarbis. Wabis, tu décides tout seul, Wabis. Hein? Regarde, pas si de mon bébé, pas Wabis. Hein? C'est un femme qui aime le pouvoir, ça, ben. Pareil, là, si ma dinde, elle est aussi Yarbis. Mais à la différence, hein, c'est que le Nassima Dindan, n'importe quelle branche il pose dessus, il prend la couleur. Et pareil, on dort, midi. Ouais. Femme là, n'importe quelle baise, mais rentre dedans et on sort, elle est toujours vivant. Vous avez remarqué ça, Zat? Mais on a l'impression de mener une guerre nucléaire là, un seul survivant, Nassima Dindan. Impressionnant, hein? On n'a pas lu Alice là, hein? 20 ans de scène, là, trop longtemps, il fait spectacle à date pérenne, ils sont pas loin arrivés, là. Ah, même peut-être ça, il y a un moment, mais ouais, là. En tout cas, moi, je travaille dans le théâtre, hein, depuis quelques années, hein. Et commérage chez les artistes, maintenant, hein. Vous êtes 22 commérages chez 2-3 artistes à Réunion? Vous êtes-y fait ou tu veux pas? Oui! Ma ville avait 2-3 figures occupées à soir, là. Ben, pour commencer, hein. Alain Ramanisson, vous connaissez Alain Ramanisson? Allez, Ramanisom. Oui. La Réunion, est-ce que ça va? Oui. La Réunion, plus fort que ça? Oui. La Réunion, il fout le faga? Oui. Il chante pas, il pose question. Le gars, il prend les points journaliste, hein? Ah, il mérite son carte de presse, au moins. 139 euros le billet, La Réunion Maurice. À quoi il vient pas à chaque prison de journal sur Antenne Réunion tous les samedis à la Passe Françoise, hein? Ah, ils s'en sont encore, les. Après, il y a l'autre, là. Petit maigre, là. Jean-François Dals. Elle a même fait son linge. Les vrais. Les taillés direct, celui. Après, quand il veut plus, il donne la croix rouge, ben là, il prend pas. Ah, mais moi, mais. Ah, mais il connaît, moi. Ah, mais que les artistes, moi. Ah, moi, le Marie-Alice Sinamon, là, mais je m'aime pas lui. Non, je m'aime pas lui. Mais je préfère l'autre, là, l'autre femme, là. C'est qu'il manque un don et qu'il y a fort, là. C'est cause et coq, là. C'est un femme intelligent et cause et coq. Ah, lui, fais rien, moi. Là, pas le Marie-Alice, hein. Ah, non, du tout, pas lui, là. Bon, on dirait pas loin Paris, hein. Mais en tout cas, on t'y voit à Miskédé, il y a là-bas en coulisses, hein. Là, vous connaissez, en train de faire le vide. Faut que je fasse le vide dans ma tête. Mais pourquoi tu fais le vide d'un affaire pour rien? Mais bon, pas ça, ouais. En tout cas, s'il a sorti un DVD nain, il a été volé 10 gendarmes, bien par au dépasse. Quel peintre, hein? Bon. Apparemment, toutes les parées, les deux, essayez pas trop balancer, mettez-vous bien à droite. Mettez-vous raccord, parce que nous sommes partis, hein. Et rideau la lumière toute, hein. Bon, vous êtes toutes. Le Alice Yarbis, bon courage.
pendant le spectacle. Ah oui, vraiment. Excusez-moi. Ça fait des années que je me débat pour me rendre un spectacle en dansant. Vraiment. Et là, ce soir, je me retrouve dans une jolie salle. Et en plus, je me fais mon entrée en dansant. Donc, pour moi, ce soir, c'est la consécration. Coupé. Peut-être celle-là t'a fait un peu trop. Non, mais comprends, moi, il y a des années, mais de pas pour ça. Parce que le spectacle m'a rentré de différentes façons. Un spectacle m'a rentré en marchant. Un spectacle m'a rentré à reculons. Un spectacle m'a rentré dans le fait noir. Un spectacle m'a rentré en diarrhée. Et un spectacle m'a pas rentré du tout. C'était à l'époque de Jardineau et les impros, là. Parce que c'était Thierry qui était dans le top pour jouer. Alors là, me dit d'ailleurs en coulisses, mais t'attends de mon tour. Thierry. Là, mais rentre, c'est mon tour. Non, allez, sourire, pas tout de suite. Fais rien, mais chauffe toujours. Thierry, là, c'est bon, Eric a fini, là. Allez, Serge a fini, allez, s'il te plaît, allez, mais rentre. Non, allez, sourire, pas. Non, de mon il vaut mieux, on rentre pas du tout. Et là, ce soir, eh bien, au bout de 20 ans, on a ma revanche. Parce que non seulement m'y rentre, mais en plus m'y rentre en dansant. Merci. Maintenant, on t'a mis des bacs pour ça, oui. Maintenant, tu veux pas mon metteur en scène, mon producteur, tout ça, dis-moi non. Elle dit, moi, on connaît Alice, ou danse comme un crabe la taille sur le roche. Nain a dit, mais danse comme un punaise à boire pétrole. N'a rien qu'une seule personne a toujours été là pour encourager à moi depuis le début. C'est Charlotte, la régisseuse. Elle a toujours encouragé à moi. Elle dit, maintenant, Alice, vous devrez persévérer, vraiment. Elle dit, parce que danse les rares. Et pourtant, elle a fait une voix de grands danseurs, elle est. Ben oui, Maurice Béjart, Joséphine Baker, Ismaël Aboudou, Jean-François Dals. Jean-François Dals, animation, communion, baptême, mariage, 06 92 60 72 80. C'est le père et créateur du Sega Moonwalk. C'est un joli type à danse, au moins il faut pas un asiatique. Mais Charlotte a toujours encouragé à moi, elle dit maintenant Alice, vraiment, il faut qu'on continue parce que, ou danse avec la musique, on dirait deux lignes infinies parallèles comme ça sur scène, il ne croit jamais. Elle dit, ou danse avec la musique, il ne fréquente pas. Mais trouve ça beau. T'es vaut la peine d'attendre 20 ans pour entendre un compliment pareil, non? 20 ans de scène, ça se voit? 20 ans de scène, ça se voit? Oui, non? Non, hypocrite, oui. Encore moins, m'apprends 20 ans. Sur tout mon corps? Mon copine apprend 20 ans, rien que sur la figure, là. Tout le vieillissement, elle était concentrée, t'es là comme ça. L'impressionnant, oui. Pourtant, ils mettent la crème tout à l'heure. Il entretient bien sa peau. C'est la crème, c'est laboratoire CFD, il a fait. Il appelle la crème pour la Mediapore. C'est un crème qui rentre comme ça dans notre peau. Il explose notre figure. Oui, il explose notre figure. Ou même, il y a une espèce d'attentat suicide, en fait. Quand tu regardes la figure de mon copine de loin, on dirait la carte de l'Afghanistan sur Google Earth. Mais moi, il dit sa figure, elle mériterait d'être protégée, vraiment. Et pas par une crème, par l'UNESCO. Parce qu'on a toutes de sucettes, puis ton rempart, on a toute ma vie, toute. Bon, mais c'est vrai, pas tout le monde y traverse 20 ans pareil, hein. Mais non. Moi, m'a commencé en 91. M'avait 20 ans, d'ailleurs, à l'époque. M'a commencé avec les émeutes du Chaudron. M'y risque pas d'oublier, cette année-là. C'est l'année où ça m'a acheté mon premier télé. Sur chemin. Quand moi, j'étais un kilo longue, m'a acheté mon télé, 10 francs, sur un bon chemin, comme ça. Ça, c'était pour la télé, magnétoscope. À l'époque, on avait pas 3-4 magnétoscopes. Et ça, tu te rappelles pas de magnétoscope, l'époque? Papa magnétoscope, s'il te plaît, hein. Aujourd'hui, Mimi m'a tiré deux bouts dedans. Ça serait pratique pour regarder Joséphine Ange Gardien. N'aurait pas besoin de lunettes, serait en 3D. Ouais. Mais moi, à l'époque, moi, t'es pas télé. C'est pas trop mon affaire, ça me te regarde pas, moi. À moi, à l'époque, ce que t'intéressais à moi, c'était d'aller voir Bonnes Artistes en live. Et pour voir Bonnes Artistes en live, vous savez, il fallait aller la fête podium, là où tu vois bonnes artistes débuter, la Ravane, où ça nous ça va, Bastia, tout ça, là, on a vu commencer, ça, oui. On a essayé, avec Philippe Lapoté. Philippe Lapoté, le nez, t'es comme ça.
En tout cas, là, on va mettre le nez comme ça, là. La poitrine, ça se connaît encore. Mais si le gars avait un nez comme ça, que l'été respire, son bon musicien te suffoque. L'été prend toute l'air banane. Belle-sœur, belle-sœur. Ça, t'es le bon trois petits choristes mecs du côté là. Belle-sœur, moi, mes dieux, arrête de me la langue sur moi. Oh yeah, 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 yeah. Petit pour moi. Oh, 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 oh. Mon gars, il fait mal encore aujourd'hui. Non, mais c'est bien parce qu'à l'époque, bonne chanteuse à la Réunion, là, t'écosse dessus la Réunion, t'écosse sur la vie de famille. Non, mais mauvaise langue. Pas avant. Jusqu'à présent, nous, de bonne chanteuse à la Réunion, écosse là-dessus. Enfin, mais suppose que l'écosse sur la Réunion et sur la vie de famille. Parce que m'y comprend pas quoi lui dit. Mais m'y aide, m'y acheter mes dents dessus tout, mais m'y comprend pas, merde. Ben c'est... Mais comme ça, hein. Ah non, mais vraiment, la fête podium, c'était vraiment une façon de vivre le divertissement à part. C'était une culture différente, c'était... C'était de grands moments, quoi. Là où t'arrives, là, devant le podium, il y avait deux, trois boucs sous, là, la figure, t'es plaire. Parce que t'es fait une paire de petits pailles agricoles le mois. T'es là, puis l'après-midi, t'es désir, t'es rond, là, attends un peu plus, là. Pas vu. Je vois la merde, je l'en ai. T'es pas née comme ça. Ah ouais, hey, là-bas, l'autotamponneuse. Baba papa. Hey, brochette, la fumée brochette. Toupie chinois. Ah, la police arrivée, ben fan. Bonne forêt, t'es yal dans le micro. Un franc ticket, messieurs, dames, un franc ticket. Qui n'a pas gagné, va gagner. Qui n'a pas gagné, va gagner. Qui va gagner, va l'emporter. Vouh. Un franc ticket, messieurs, dames. Ça, c'était vraiment de grands moments. Et puis, ça te rappelle, la fête podium, dans toute commune, avait une élection de Miss. C'était bonne Miss à saison, souvent. Miss Letchi, Miss Longani, Miss Sapote. Le plus noir, t'es gagné. Ah, la nena, elle a gagné, là, mon noir. Tellement t'es noir, t'es lui. Ah, elle était bon pour gagner Miss Univers de la sapote, elle, hein. On dirait que sapote la pète à terre, tellement t'es lui. Non, mais elle a gagné son titre, c'était super. Et puis, moi, ce que m'était aime aussi, c'était souvent le dimanche après-midi, attention, finale radio crochet. Aïe, 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 mal à vue de candidat, mais s'il n'a bien un amant à moi. C'est qu'un jour, il vient, il chante, et entre deux couplets, eh ben, il s'en va écouter dans une radio parce que le radio crochet était retransmis en direct. Ouais, c'est un petit radio local. Alors là, il te prend son élan. Ré mineur, ré mineur, ré mineur. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme l'habitude. Et dis quoi? Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme l'habitude. Et bon, ça va, deuxième. C'est bon. Ré mineur encore. Ré mineur. Je me relève. Et je te rebouscule, tu ne te réveilles pas comme l'habitude. Et il reprend. Ré mineur, je me relève et je te rebouscule, tu ne te réveilles pas comme l'habitude. Et il reprend. Et comme pour l'habitude, eh ben, le jury là en sort qu'à Lyon quoi un coup. Ben oui, parce que garçon Claude François, t'es fait une pousse à commune en procès deux fois quand même. Hein. À un moment donné, il faut qu'il arrête quoi. Et puis une affaire m'a toujours aimé aussi dans la fête podium, c'est le fameux d'hypnose collective. C'était impressionnant ça.
Mais maman n'a jamais voulu participer parce que même un petit peu carpon, maman avait peur, tout en dehors à moi vraiment et tout. Et souvent, ben, l'hypnotiseur, il commence cause et coup, son vieux corps. Il choisit deux temps, deux, trois jeunes gens crâniers comme ça dans la foule. Vous là-bas, le gros loche avec le moustache soubaya, montez. On va équilibrer. Vous là-bas, le petit taille 36 rinzaran, montez. Vous, madame, comment? C'est monsieur, c'est pas grave. Montez. Vos paupières sont lourdes. Vous n'entendez que ma voix. Et vous n'obéissez qu'à ma voix. Vous êtes Bruce Lee. Et vous devez vous défendre car le méchant Bolo Yong veut vous tuer. Attention car Bolo Yong a l'intelligence d'une poule rabateau. Il faut être plus malin que lui. Et là, toute le bande hypnotisée en petit kung fu. Pareil, bonne petite chat qui passe sous la roue vélo, là. Moucha, 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 ouais. Eh, bataille le chat, quoi. Et pendant qu'on est en train de défendre ce Bolo Yong là-bas, eh ben, l'hypnotiseur, il y a un manipulateur, quoi, un coup. Vous n'obéissez toujours plus qu'à ma voix. Votre vessie se tend. Et vous avez une très très forte envie de faire pipi. Vous ne pouvez plus vous retenir. Là, vous en avez ce que tu comprends quand tu essayes de mettre dehors. C'est que tu comprends bien mettre ta chèvre là dans le milieu là même. C'est que tu essayes de pousser du côté, mais en attendant toute la bonne avance et avance et avance. Même de vos podiums, quand la langue affaire comme ça, là, tout de monde l'a fallé. T'es pareil fou, hein, mais la gueule coup de bégon, tout de monde l'a fallé. Jusqu'à la bonne boucle, sous la gueule réflexe courue. À ma flamme, à de la taille. Ça, c'est de grands moments, ça. Et puis, ce que mettait M aussi sur le podium, c'est vraiment, c'était qu'à l'époque où t'es pas besoin de rester 3-4 heures de temps devant une télé pour regarder un chanteur, un être, etc. Non. Avant que ça va à la recherche de la nouvelle star directement en live la même. Et une année, il y avait une fille, une leader d'un groupe qui s'appelle Tristelle, vraiment malheureuse par contre. Hein. Elle était pour toute la mise à la réunion de sa figure, vraiment malheureuse. Charlotte. Charlotte. Quoi? Où l'on pose café? Ben les bonbons, bon, on vient. 35 minutes! Non, mais que les paquets syndicats ou la partie prendre, en tout cas, il faudrait au dame 50. Hein. Parce que vraiment, on est impressionnant des affaires. Bonjour. M'y appelle Christelle. M'y sort la ravine à malheur. Mon groupe y appelle Quartier. Malheureux, parce que nous les malheureux, nous n'a rien qu'un instrument, parce que nous les malheureux, mon chanson y appelle nous jeunes gens malheureux, nous la nie à pied parce que nous n'a pas l'auto. Touche ton maman. 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 Nous jeunes gens quartier malheureux, nous les misères. Nous jeunes gens quartier malheureux, nous fait pitié. Nous jeunes gens quartier malheureux, nous va se battre. Premier virage. Nous jeunes gens quartier malheureux, nous les misères. Nous jeunes gens quartier malheureux, nous fait pitié. Nous
Nous jeunes gens quartiers malheureux, nous va se battre. Deuxième virage. Nadi virage. Parce que Saint-Maloya, il passe par les plaines. Nous jeunes gens quartiers malheureux, nous les misères. Nous jeunes gens quartiers malheureux, nous fait pitié. Nous jeunes gens quartiers malheureux, nous va se battre. Troisième virage, il énerve, hein? Nous jeunes gens quartiers malheureux, nous les misères. Nous jeunes... Hé, ma pourquoi fini? Nous jeunes gens... T'es la figure, t'as mis cette virage. Nous jeunes gens quartiers malheureux, nous fait pitié. Ça va, on guette, on va la voir, c'était pas la même finie chanter. Nous jeunes gens quartiers malheureux, nous les misères. Maladie ou comme ça, ma pourquoi fini chanter? Ah, on ne peut comprendre, pas donc. Malheureux, hein? Elle ne veut pas finir, hein? Ah non, non, t'es refait un tour de l'île avec son jeune Joe Cantier. Mais bon, laissez-elle faire, elle descend son corps, elle avait vraiment le X-Factor, hein? Oui, c'est comme ça. Mais vraiment, pour moi, dans l'animation, dans le summum de l'animation, au niveau de la fête podium, c'était le fameux concours mangeur boudin. Pour ça qu'elle a vu ça, c'est le grand moment, ça. Et dommage, il fait plus ça à nos bonnes enfants, il rate des affaires quand même, hein. À moi, une fois, elle a vu un challenger, et bien, il a parti entraîner d'elle comme une voisine pour y être en forme pour le concours. Il a mangé 14 plats, la commune voisine, il a fini le 14 plats. Comme un regard, Bougla a mangé, mais il n'est pas possible. La Réunion a un incroyable talent. Bon, après, c'est sûr, elle a parti manger à l'hôpital pendant 14 jours. Mais le gars, quand elle arrive pour le concours, même manger au boudin, il était bon, il était en forme. Et le pouvait qu'on mange au boudin, là, c'est tout un cérémonial, ça. Alors, on en a le... On en a ben, carreau de monde devant le podium, bien sûr. On en a tout le maire avec tout le conseil municipal dessus côté, comme si tout dans le temps, tiens, on avait bon, on peut ça planter comme ça directement dessus le podium côté ou la même. Et puis, bien sûr, on en a le présentateur Fayot à souhait. Bonjour à toute la population. Je vous demande de vous approcher car nous allons bientôt commencer le concours mangeur boudin. Je rappelle que madame le maire est là pour le concours boudin. Je précise que madame le maire n'est pas venue faire le boudin du concours, non. Elle est venue ici pour accompagner son mari, monsieur le maire, qui va se représenter aux prochaines élections. Car monsieur le maire, il aime sa population. Monsieur le maire, que je vous demande d'applaudir d'urgence. Monsieur le maire voit tous les contrats qui n'applaudissent pas. Je vous demande de l'applaudir d'urgence. Merci. Le concours mange boudin, Charlie. Mais pourquoi elle fait ça? C'est pourquoi? Ah, il faut en avoir 35 mètres en nous deux. C'est pas bien. Nous allons donc commencer le concours mangeur au boudin. Nous avons un challenger ce soir qui a décidé de carrément envaler le lien de boudin carrément sans aide de sa main. Il va envaler le lien de boudin un petit peu comme un piton, il mange un petit cabri, un gros serpent piton. On ne sait pas encore par comment le gars respire, on pense apparemment que ses oreilles doivent servir de branchies. Il va avaler carrément le lien de boudin. Alors attention, il va se mettre en place. 1, 2, 3, partez, d'urgence. Et le gars, il mange, le lien de boudin, il sent, comme ça dans son trip, un petit colon, gros colon. Là, le lien de boudin, il sent même, au niveau de traçabilité, il n'y a pas rien pour reprocher à lui. Nous, tu vois, le lien de boudin, il sent même comme ça, il est aux normes européennes, mais ben, le lien de boudin, à force, descend, ben, à un moment donné, il fallait bien trouver la sortie, ben, quand on a trouvé la sortie, comme ça, tu connais, Bougla, on trouve quelques 3 mètres sur podium, comme ça. Disons le diable, deux mondes devant podium, tu commences à foller, une bonne groupe forme, ça te fait au secours, un petit feu au Samy, un petit feu au Zana. On avait un groupe forme, t'es pour grain de chapelle là-bas, Saint-Michel Archange, priez pour nous. Et ça fait comprendre le bonhomme, il faut lui arrêter son concours. Allez, ok, tout le panneau en train d'affoler le maire, dit monsieur, arrête. Allez, non, Lila pour gagner, Limoges. Elle rentre les pépins au grade de l'inconseillé
partir direct sur le que 3 mètres. Arrête le diable là-même. Charlotte. 35 points de suture. On a joué dans les 35, Esther. Mais là, ce bon con, quoi, là, c'était bon mangeur occasionnel. Comme est la créole. L'île est goulaf pour goulaf. Comme est là, notre petite créole nous mange n'importe quoi, il nous mange vite, nous mange n'importe comment. Allez, il faut voir seulement, là, devant camion pizza tous les soirs, le nombre de monde qui attendent. C'est impressionnant. Tout le temps, on y voit, hein. Comme est la créole, elle n'arrive plus italien que l'italien. Giuliano! Verbardo! Sortez un peu devant la télévision et allez voir des pizzas de la pasta dans le fond là-bas, macrolitos. On a vu la vieille, j'en rien, non? On touche. Ah non, mais impressionnant, hein? Elle est comme ça tout le temps, quand même. Devant camion pizza ou guépi ou guépi calme de moule. Comme est la créole, manger gras, c'est son deuxième nation. Alors du coup, il a autant de camions de pizza que de mauvais cholestérol. Mais il est comme ça. Mais c'est la gourmandise, on mène à nous là aussi. Comme elle, on a plus moyen de rouvrir la télé si on n'a pas un master chef, un miam, un dîner presque parfait. Ben, moi, j'ai une copine, moi, elle habite en France, elle participe au dîner presque parfait. Tout est valable, elle raconte à moi, puis après, elle a vu dans la télé, elle avait l'ambiance, elle avait l'ambiance. Et comme elle est réunionnaise, ben, qu'est-ce qu'elle a fait? Ben, elle a pris un thème créole, évidemment. Elle a fait un salvette dans son salon. La partie vol de trois feuilles palmiers sur l'avenue Jean Jaurès. Et puis après, elle a fait cuire la cuisse cabri. Là, tu vois, quand l'odé à cabri, elle prend le hall d'immeuble blanc en ménage, non? Toute le bonne dealer l'a suffoqué. La lave, sachez l'héroïne, seringue, toute la foule, la même, toute la foule, le camp. Mais t'es bien, comme ça, du coup. Eh ben, l'immeuble était dégagé, l'émission avec le repas la mieux espacée. Et puis après, pour bien conclure, pour faire plaisir à tout le monde d'oreilles, elle a fait danse toute banale, le Maloya Rai. Le Maloya Rai. Le tube de l'été, là. Et si, t'y connais avec le coiffeur, les... Enfin, le chanteur, les coiffeurs en paillotte longtemps, comme ça, là. Il y a un peu de muc, il y a un peu mukeli, un peu muqué, comme ça. Comme ça. Avec l'autre, là, il chante avec le fameux... Comment il chante? Le fameux, il chante pareil, peint à de la pierre de nid, là. Tu vois, ça? Oui, le Maloya Rai. Manger, bouger, Maloya Rai, Maloya Rai, Maloya Rai, Maloya Rai. Il est nerveux, hein? Maloya Rai. Oh, t'es là, mais l'ambiance. Toute bonne femme arabe, là, si t'en passes à mettre la tête par la fenêtre, voiler, dévoiler, balader l'ambiance ensemble. Oh, t'es valable, mais le problème, c'est que t'avais un voisin Front National, t'es quoi, t'es les meutes intégristes. La partie téléphone à la police, au TGIPN, arrivé la déclenche, mon copine, un vigipirate. La baisse, une bombe lacrymogène dessus le corral arabe, la fanée comme ça. Et puis la tire à balles réelles dessus le CDP, et t'as boum, boum. Maloya Rai. Il soulage, hein. Le Maloya Rai, il a fini en Maloya Rayé. Et le dîner presque parfait a fini en baisement presque parfait. Là, tu vois, comme quoi, hein, et ben manger, des fois, il peut faire bataille de moune. Hein. Enfin, déjà, à l'époque, hein, nos bonnes ancêtres homo sapiens, ça. C'est bataille. Déjà, c'est pas la chasse, tout ça, pour manger. Mais quelquefois, ben manger peut rassembler deux mounes. Ou deux mounes, deux mounes. Avant, un homme, une femme, tout ça, avant. Enfin, il y a 20 ans de ça, comme a commencé, le manger terrassant. Viens me regarder, moi, dans les restaurants, tout ça. Oui, parce qu'avant, on avait encore un petit peu de galanterie dans la démarche de drague. Un bonhomme qui prend la peine d'emmener à un restaurant avant de passer à la casserole. Bon, t'es connu par un coco sans manger, à glisser ou sans dessert. Mais bon, nous t'es connu les règles du jeu, nous t'acceptes. Combien de fois m'a fini en flanc? Il raconte pas ça toutes. Flan nature, flan quand même bizarre ensemble. Ouais, mais bon, on a 20 ans. Comme là, on a plus tout ça à la leçon, fini arrive paresse. Ah oui, il est fini, ça, ces histoires parfumées, habillées, son 31 et tout, non. Comme là, tout espace derrière Internet. Oui, toutes les derrière Internet. Comme là, nous les en mythique, en easy flirt, en badou.
sur ce badou-là, la plupart bonne boucle est déjà mariée. Et il est à la recherche d'une relation sérieuse. Mais c'est que les 4 ans d'un tétou, disons, on voit pas sérieux, ça? Et nous, comme nous y aime le commérage de l'Internet, ben, que ça nous fait nous rebaptiser? À nous propres, nos prénoms? Nous les rebaptiser en Catherine à la Playa 974? Run Girl in Fire? Nous cause avec Kiss Cool Boy? Que le caf? Que le bœuf? Big kiss pour ta journée, baby! Et là, il nous ça, nous les content. Nous connais même pas qui nous a affaire, ce manque de boucler la raguerie et son ordinateur, puis grand matin, jamais lave son dent. Son haleine anti-mouche à verre à nous, nous embrasse virtuellement. Ensemble, nous embrasse, nous, ben. Nous connais pas le bonhomme, peut-être, derrière son ordinateur, qu'un main, il bat du clavier, l'autre main, il nous connaît pas, nous connaît pas. Et il nous cause des clics quand même. Comme il a, il est comme ça. De toute façon, c'est bien simple. S'il est pas derrière l'internet, les dans la radio. On n'a pas moyen de rouler radio le soir dans 10 heures sans entendre. L'ananas, c'est qui déplace ne reçoit pas. C'est que les bis, c'est que les tris, c'est que les quadris, c'est que les quinqui. Seigneur! Allô, madame la nièce. Oui, bonsoir. C'est Josie du Sud, ça. Oui, madame la... Oui, mais téléphone à vous poudre comme ça, c'est une histoire de petit canard pour pimenter la vie sexuelle dans le couple, là. Ça, les menteurs, ça. Ah oui, oui, bonne magazine qui vend ça, là. Eh ben, devrait pousser devant le tribunal, hein. Ben oui, m'a essayé le petit canard, oui. M'a essayé pour pas mourir couillonne. Oui, m'a essayé. Eh ben, m'a pas gagné. Ben non. Mais quand le petit canard, là, commence à débattre son deux petits ailes pour rendre son momo coin, coin, mon cœur a tombé. Allô, madame animatrice, c'est Thierry de l'Ouest, hein? Ben, mon rôle d'infâme, hein? Ouais, ouais, mon rôle d'infâme, je veux dire, ben, infâme pour casser moi, tu vois. En même temps, infâme, il a sa main téléphoné l'air qu'il m'y veut ou ça m'y veut. Infâme, il a sa main sur Internet l'air qu'il m'y veut ou ça m'y veut. Infâme, il a sa main garde vidéo tranquille l'air qu'il m'y veut ou ça m'y veut. Comprends, là? Ouais, il a sa main, écoute la musique aussi, tranquille, l'air qui m'y veut ou ça m'y veut. Quoi, madame l'animatrice? C'est pas un femme pour moi? C'est un iPhone? Allô, madame l'animatrice? Ouais, c'est Francky de l'Est. Hein? Ah, madame l'animatrice? Ah, elle est molle. Ah, elle est molle, elle est molle, elle est molle. Elle est molle partout, pas rien que par en place, hein? Ah, me dis, elle est molle. Ben, là, miroir d'un vrai tontine. Ben, ouais, un vrai tontine, parce que avant, t'es qu'un faux tontine. Hein. Ouais, un poupette gonflable. Ben, ouais, mais ce mental-là, on connaît, ma soupe dans la valve, les affaires, la foirée, ouais. Le vent, la suinté, le poupette, la passe par la fenêtre, l'immeuble, ouais. Là, atterri dans le parking de mon bon camarade, le plastique plat, détrace, t'étais dessus, t'es molle, ouais. Ah, les gars, on carte en madame. Ben, ouais, la miroir d'un vrai tantinement. Ouais, ouais, un tantinement chiant en os, ben. Ah, mais ce moment, on fout, moi, s'il n'y a pas le zoo pour vite. Non, chère, 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 chère. Ah, mais ma chère, ben. Ouais, ouais. Ouais, pour communiquer, pour une relation durable, tout ça, le meilleur, ben. Ah, mais ce moment, madame animatrice, est-ce que vous croyez ma gueule soude dans son valve? Tu connais maintenant le zombie passe par l'internet, par le radio, tout ça, pour éviter tout ce qui est fleurs, restaurants, tout ça, quoi. Comme ça, quand arrive à la première rencontre, il ne reste plus qu'à consommer. Un genre de speed dating, quoi. Hein? 10 minutes pour séduire quelqu'un. Moi, je dis que le speed dating, il y a la conversation, ce que le lapin, il y a la reproduction. Bam, bam, ah, tous affaires au suivant. Et il y en a des affaires comme elle a, oui. Madame, alors, regarde, elle m'écoute, petite figure neuve, innocente. Petite figure réunion, tu peux avoir, là. Madame, il faut nous rendre dans le train. Soit nous rendre dans le train, soit c'est le train qui rentre dans nous. Choisis. Moi, il prédit que les plus sceptiques d'entre nous vont finir par succomber pour le sexe par le sexe. Nous serons obligés d'arriver dedans. Parce que maman a connu une femme languée, mais alors languée en culotte pure coton, avec chaud de la semaine dessus. L'a fini aussi tendue qu'un ficelle string 36 d'un FS 44. Hein.
Mais regarde Nicole. Tu te rappelles Nicole, Nicole? C'est que tu travailles chez le docteur Refuseur. Ah, Bella Diamant. Ou à son patronat. Belle année de pire en pire. Marie-Alice. T'es dans longtemps. T'as besoin de trouver où pour casser un peu le coup. Marie-Alice, me gagne. Comme dit, me gagne. Me gagne. Me gagne. Me gagne. Madame, semaine dernière, elle a décidé de fêter son anniversaire. Elle me dit, ben, fête ton anniversaire. Depuis le matin, elle a envoyé un marché forêt. Elle a dit, moi, l'acheter les légumes. À partir de là, elle a dit, moi, acheter un carotte, un concombre et une courgette. Elle dit, ben, madame, ben, tout ça de monde aura là, un petit peu de légumes comme ça, comme on a partagé. Elle a dit, moi, mais enfin, Nicole, réfléchissez, c'est pas pour en faire de l'alimentaire. Me dis pas pour faire alimentaire. Mais vous faites quoi alors? Parce que me trouve pas ça joli en décoration si elle est. Et après, me dis peut-être c'est une nouvelle mode. Ils mettent à la trompe comme ça d'un vase de l'eau. Mais je connais pas aussi, moi. On a tellement de affaires comme il a dans le magazine. Ma pote, tu sur les guimes. Ah, depuis la veille, m'entendait elle dans le téléphone. Y'a invité même, y'a invité même. Emmène ton copain, ta copine. Ton cousin, ta cousine. Ton patron, ta patronne. Me dis, ben c'est ta mère. Première fois, moi, madame Zénérès, pantazès, comme ça. Ah, mais dis peut-être, bon, Dieu, là, c'est un yeux, si elle, mais t'es contente, mais t'es contente. L'arrivée de l'anniversaire, mais même temps, en train de faire une petite cuisine, comme d'habitude, dans les 3 heures, comme ça, elle a fait la fête dans la somme, toute la bonne partie de la somme. Et à un moment donné, téléphone à moi, il dit, mais téléphone à moi, parce qu'elle a un téléphone en bas. Nicole, emmenez les légumes. Elle dit, bah, attends, madame, pourquoi faire cuire? Elle dit, surtout pas malheureuse, vous les emmenez comme ça, cru. Je dis, madame Bertrand, ma coupe en rondelle, ne serait-ce alors? Surtout pas vous les emmener comme ça en entier. Et il me dit, oh, t'es ouf, pas de moule légumes comme ça. Il me dit, ma agrémente un petit peu, ma mettre un petit peu d'huile d'olive dessus. Elle était contente. Je dis, mais c'est bien, Nicole, de l'huile d'olive. Ça commence à rentrer. Ah, ben, il me dit, ben oui, tu peux pas rentrer. Je dis, prends mes couillons, quoi. Même t'es contente, ben, parlant de rentrer, ma fille arrive devant la porte, me dit, ma roue, viens m'agarder, quel genre de fête train de faire là-dedans, mais entendez pas la musique, rien. Mais la roue, la porte, devine comment elle a vu. Devine comment elle a vu. Devine comment elle a vu. Rien. T'es fait trop noir. On avait 2-3 petits bousies, t'es un petit peu fané comme ça, à droite à gauche, me dit, quand même l'a dit. Oh, t'es d'accord, le DF l'a augmenté. Mais on reçoit pas le monde dans le peignoir comme ça. Moi, me dit, mais arrive la lumière. Comme elle a fait la lumière! Comme elle a fait la lumière! Devine comment elle a vu! Dans le feu noir, ben, elle a confondu tout et tout au thé. Madame, t'es pour embrasser notre bougue. La cousine madame, t'es pour embrasser belle-sœur de monsieur. Et en plus, t'avais goui! N'avait 3 femmes dans le même linge. N'avait un petit allongé à la cuisse, une silotte. N'avait un été assis dans le dossier canapé comme ça, t'écrasé. L'autre, la figure, t'écrasé dans le coin de la fenêtre. Mais dis, mon Dieu Seigneur, elle n'est pas possible! Dans le feu noir, ben, elle a confondu tout. Elle a confondu la joue de figure, la joue de fesse. Tout pour embrasser le cul, vous dites bonjour, 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 bonjour. Mais si la figure en l'air. Mais comment les couillons, donc? Mais il avait de moule, oui. Il avait 68. Ben, m'y connaît, parce que comment elle a rentré toute la bonne, elle avait 69, 69. Mais là, on déduit. Parce qu'il compte vite, moi! À un moment donné, ma vie a une tête, une fesse et qui vit pas au milieu. T'es pour faire la chenille qui redémarre tout nu. À un moment donné, la chenille a cassé en bout. Toute banane, debout, tu deux pas, n'avais pas, n'avais trois, n'avais trois, n'avais trois. Debout, mais la vue des affaires. N'avais piton, n'avais boa. N'avait anaconda. Mon bouche des grands rouvets, saisissement à faire. M'a dit, on sait jamais, t'as une sorte de saccage, j'ai quoi comme ça? Je l'ai dans la bouche, oh! Oh, t'es un bouffé de chalala, mon petit, m'a gagné saisissement. Ma robe pour courir, comme elle a de comme elle a de pour courir dans le lafolage, mais c'est gris dans l'huile d'olive, tombe chez cousin monsieur. M'a fait bouger. M'a tombe dans les pommes ou. Sur la branche d'un pommier, ma patronne, c'est comme ça. Ah, mais dis, vaut mieux m'y perdre connaissance plutôt que m'y voir affaire comme ça. Ah!
Nana, des affaires comme elle a, oui. Mais c'est la publicité. On mène à nous donner tout ça là. La publicité, toute là, on vise. Avant Joanna, après Joanna, avant Joanna, après Joanna. Chaque instant, le vise même. Là, on voit tous les soirs, là. Ton ex pense-t-il encore à toi? Envoie ex-Grenos au 8070 et une voyante te répondra en direct. Ex-Grenos 8070. Bonnes opérateurs téléphoniques en train de faire l'argent, fou, ex en train de bâtir l'Empire. Là, bientôt, va voir. Ton homme est-il infidèle? Envoie c'est qui le jument? Au 8070. C'est qui le jument? 8070. Avant Joanna, après Joanna, tout le temps. En parlant d'avant Joanna, après Joanna, durant mes 20 ans de carrière, on a eu l'occasion souvent de rencontrer bonne journaliste et souvent la première question qui revient c'est « Marie-Alice, alors l'humour, vous en êtes arrivée comment là ?» Comment m'arrive là que pas moi, des fois, envie de taquiner Azot, mais dis non, quand maman était enceinte et regarde bon film Boisville avec Fernandel, il doit être un rapport de cause à effet. Mais bon, elle est bien heureuse, elle n'a pas regardé Cléopâtre, parce que sinon, elle était finie arrivant pharaon d'un pyramide renversé Moufia, et elle aurait été baisée avec le projet La Route Littorale. Donc, mieux, c'est ça. Non, mais dis ça, mais ne connais pas, moi, hein. Vraiment, avec l'humour, c'était un tamponnage, vraiment, par hasard. Parce que moi, à l'époque, quand j'étais plus jeune, belle et vierge, bien sûr, moi, j'étais vierge. Et bien, à cette époque-là, moi, j'étais majorette. Si, mais t'es lance-baguette, moi. Après ma gueule 18 ans, et mon mari explique à moi que ces bonnes jeunes gens étaient foules pour les regarder défiler. C'était surtout pour voir à quelle hauteur mon cuisse t'élève. Ma chère, ça m'a la durée. Mais mon grand regret, vraiment, c'est que, bon, on m'a fait tout ça et tout, mais moi, je voulu être une grande chanteuse. Parce que, mais si j'étais une grande chanteuse, en plus à La Réunion, si j'étais une grande chanteuse de Ségalov, eh bien, peut-être qu'aujourd'hui, je l'aurais inclus sur Canal Austral ou sur Télécréole. Ça finit de regarder bonne clip là, ça. C'est impressionnant quand même comment elle est jolie. Hein. Elle est fabuleuse, vraiment. Et vous avez connu c'est quoi le bon ingrédient pour un bon clip de Ségalov? C'est quoi le bon ingrédient, l'ingrédient majeur? C'est quoi? De l'eau. Il y a toujours un commérage de l'eau. Remarque, qu'est-ce qu'on va voir? C'est pas un lavabo, un baignoire, c'est pas un baignoire, un jacuzzi, c'est pas un jacuzzi, un piscine, c'est pas un piscine, un bord de mer, c'est pas un bord de mer, c'est un bord de rivière. Parce que surtout, le plus plébiscité ici à La Réunion pour tout un clip, c'est quand même dans le fond de la rivière Langevin. Ah, il faut voir la quantité de mouni de ton clip dans le fond de la rivière Langevin, hein. Ben là, il arrive le matin, toute la monnaie fait la queue comme ça, pour attendre votre tour. Et puis, tu as votre ticket, un peu comme pour la boucherie. Mais on met la zote. Ok, super, super. Bon, les gars, nous n'avons une heure pour tourner le clip, hein. Alors, nous essayons de faire bien, d'accord? C'est vous le caméraman? Bonjour, comment on appelle? David, salut David. Bon, nous va essayer de faire bien vite, d'accord? Très bien. Où c'est qui le batteur? Bonjour, comment on appelle? Vincent, bonjour Vincent. Alors, où prend le batterie ou monte dans le touffe choquant, on est là-bas? Il est très bien dans le touffe choquant, la batterie, il trouve ça très joli. Monte à où là-bas? Ok, envoyez un petit coup de son, s'il te plaît, Vincent. Quoi? Au lobe de baguette? Ouais, non, mais le backpack de doigts, il fait vulgaire. Eh ben, nous enlève la batterie, c'est tout. Non, ben c'est, non, mais c'est bon, on l'a pas dit pour rien. Tiens, hein, Vincent, voilà ce qu'on va faire. On va descendre dans le fond là et puis on va caler la circulation. On dit, ben là, nous tournons un clip et on empêche l'automonter, d'accord? Ok, super, super. Merci beaucoup, Vincent, super. Est-ce qu'il y a des choristes là-bas? Comment elle s'appelle? Les Jacques? C'est bizarre pour un. Ça s'appelle les Jacques. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Ah, c'est les initiales de votre prénom. Jasmina, Anna, Corina. Oh, c'est original. Les Jacques. Jacques Mieux, par contre, hein? Non, non, mais elle est pas grave, elle est pas grave du tout. Et donc là, je l'ai un peu dépareillé, il est fait exprès ça, parce qu'il va pas, hein?
Les fées avec Tristan chemise Gilles Mallet, d'accord. Non, elle est pas grave, tant que tu mettes pas son moustache, n'a fait avec. Mais elle est bon, fou comme ça même. Ok, très bien. Super. Non, non, mais c'est très bien. Nana, le guitariste, c'est vous le guitariste, bonjour, comment on appelle? Hippolyte. Ben, c'est ton maman, l'Hippolyte. Pour le moment, t'es grand Casimir. Oh, village dans les nuages, fais pitié. Mais non, mais on y a où? Non, c'est pas grave. Alors, ah oui, police, qu'on vous prend guitare, on voit dans le milieu de la rivière, il y a un gros galéron, là, on mettez au-dessus. Mettez au-dessus, le gros galet. Ou sous, ça va être le groupe électrogène. Ou sous, ça va avec un groupe électrogène dans l'eau. Ou là, vous êtes au courant, ici, là, ou comme ça. On parle bien de nom, vraiment, ouais. Mais non, ça va pas jouer, c'est gars, Claude François, on fout en mal l'électrogène, là où ça écoute guitare tout seul. Voilà, on s'en fout, on va mettre le son, nous. Ok, là, des danseuses. Les danseuses, bonjour. Bonjour, les danseuses. Bonjour, enchantée. Vous êtes très belle. Très, très bien. Alors, moi, par contre, ce qui est très important pour moi, pour les danseuses, je trouve vraiment qu'on a de l'ampleur dès qu'ils commencent à bouger au niveau des jupes et tout. Donc, ce que je propose aux autres, vous êtes-y, prends votre jupe. Vous êtes-y, monte. Vous êtes-y, monte. Vous êtes-y, monte. Vous êtes-y, monte. Et arrivé à la hauteur, là, vous êtes-y, fouette, 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 fouette. Fouette pas la figure de camarade, maquerelle, poussard là-bas. Fouette, fouette. Regarde-moi bien, oh. Menez notre technique pour haut. Ah, oh, c'est bon. Ah, oh. Projet, monte. Ou monte. Ou monte. Ou continue à monter, ou ferme devant. Ou monte. Voilà, ou là, cette figure d'ailleurs, ou fouette. D'accord? Mais là, cette figure, tout le temps derrière la jupe, hein, que ou fouette. Ok, super, très bien. Non, non, mais ça va être très bien, ça va être super, ça m'aime beaucoup. Ok, très bien, c'est qui elle? C'est qui la dame? Ma tante Rita? Bonjour, ma tante Rita. Non, non, ma tante Rita, ou danse pas. Non, non, il est hors de question qu'on est dans mon clip. Quoi? Non, ça n'a rien à voir avec une cicatrice, c'est rien, ou danse pas, ou danse pas. Pourquoi elle pleure là? Pourquoi elle pleure? C'est elle a fait qu'il manger ou c'est elle a fait qu'il manger? Ben, c'est ta mère. Ben, c'est bon, c'est où elle a fait qu'il manger ou. Ou. Hein? Ou voit le pied coco là-bas? Ou danse derrière? Mais si, voit où des pas chaque côté. Allez, allez, allez. David, ou filme rien que sa jupe, ok? Très bien. Voilà, très bien. Super. Bon, maintenant que tout le monde est en place, le chanteur, c'est qui? C'est vous le chanteur? Comment? Jean-Michel. Enchanté, Jean-Michel. Bon, on va faire un petit test. Passez-vous un petit coup d'œil à caméra. Vas-y, Jean-Michel, passe d'œil à caméra. Passe. Passe d'œil à... Jean-Michel, repasse un petit coup d'œil à caméra, s'il te plaît. Ça? Jean-Michel, regarde là. Regarde là. Regarde un coup là. Jean-Michel, où les caillouchous? Ah, si, 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 si. Où n'a un yeux, il vole patate, et l'autre, il va se propriété, il vient pas. Eh bien, il voit trop dans mon clip. Non, on ne prendra pas. Ah, on sait que c'est quoi le prénom? René Guy ou René Guy, c'est où le chanteur? Quoi, on ne connaît pas les paroles, on s'en fout. On s'en fout qu'on connaît pas les paroles. Batte la bouche, batte la bouche, batte la bouche. Batte la bouche. Est-ce qu'on a fait une vue cabot quand il mange limon sur le roche? Voilà, bon, fais le cabot, cabot, cabot. Cabot. Très bien. Passez au derrière, caméra, un petit coup. Non, Jean-Michel, dégage, à qu'on garde à mon dieu, on garde à lui, ou tu perturbes, bah, pousse-toi, pousse-toi. Monégui, cabot, 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 limon, 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 cabot, super, très bien. Ouh, normalement, on est presque prêt. Il manque à moi juste quand même quelqu'un de très important, c'est la copine du chanteur. C'est vous? Comment vous appelez? Pascaline. Vous êtes splendide, Pascaline. Très bien. Alors, m'explique Azote. Les gars, s'il vous plaît, m'explique Azote. Donc, c'est un clip, c'est galope. Collé, sensuel, je te rencontre des autres, quoi. Première fois, je te mange aux autres des yeux, c'est l'amour fou, d'accord? On est capable de faire ça? René Guy, Pascaline? Super, on y va alors. Nous, essayons de faire une petite mécanique? Très bien. Allez, on y va. Allez, collé, sensuel, on s'approche, bah, guitariste, allez à fond, à fond, à fond, à fond. Voilà, voilà, les choristes. Allez, les Jacques, mieux, 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 mieux. Super. Là, là, fouette, fouette. Ah, oula, bah, faut que je fasse ça tout. Pascaline, René Guy, on s'approche. Hé, hey, Pascaline, sensuelle, sensuelle, c'est un clip, c'est galop. Hé, 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 frotte-té, frotte-té, frotte-té. Voilà. S'approche, on s'approche, on s'approche. On stoppe, on stoppe, on stoppe. René Guy, viens un petit coup, s'il te plaît. Ça va? René Guy, on dirait... Ou les serrer d'autres maillots, là, non? Hein? Non, Miwa, elle est difficile pour toi, un clip là, Miwa. Il faudra faire un effort, comprends? Donc, ce que je propose, c'est au-dessus le pantalon, où ça va assaiser un petit peu dans le rivière l'ange, la glace, c'est là-bas. Et quand on est plus détendu, on reprend. D'accord? Voilà, tu le pantalon et dans l'eau. Voilà, très bien. Pascaline,
On fait une pause, ok, très bien. On arrête. Ah, ouf, pause, mais des yeux de jupe toujours, hein, ok. Maintenant, on passe comme ça. C'est bien, attends, Rita, reste où toucher des yeux de pied coco. C'est quoi? Il y en a un rouleur dans le clip? C'est quoi ce monsieur avec le rouleur là? Quoi, monsieur? Le clip Maloya Rai? Non, monsieur, c'est pas ici, c'est là-haut, la plaine des sables. Mais oui, on passe pas en grand galet là, en 2 heures de temps, on est là-haut. Enfin, 2 heures de temps, à pied, en rouleur, mais je sais pas combien de temps il prend, hein. Allez, montable. Super. Mais fais rien, on aura le temps de regarder le scénario. C'est quoi le scénario? C'est là. Merci, un café. Merci, avec un sucre. C'est pch, c'est glou, c'est un. C'est pch, glou, un. Non, ça, c'est le clip nous a tourné semaine dernière dans le chemin. Les paroles, mais il veut pas les onomatopées. Quoi, ma tante Rita? Les tessins, feuilles, cailloux, la lèvement, mais t'as bête. T'as mais arrêtez de tout coco là-bas. Allez, voilà l'autre scénario. C'est bon, on repasse. C'est bon, Vincent, calme toujours l'auto là-bas. Hein. René Guy, tiens, monte. Ça y est. T'es saisi dans nos frères la coquillée. Oh. Il voit plus du tout. Oh, il est impressionnant, comment c'est bien tient. Mais il revient un jour, oui, ça va. C'est bien. Eh bien, c'est très bien, c'est comme ça qu'il faut garder la vie pendant tout le long du clip, d'accord? On laisse la vie saisie comme sa cachette, ok? Voilà, remets tout le pantalon. Très bien, on y va. Bon, les gars, tout le monde est en place, hein? Non, on n'a plus le temps de faire une mécanique, nous sommes direct, hein, ok? Très bien. Vincent, calotto, on y va. David, on y va. Top. 1, 2, 3, action! René Guy. En viens. Non, René Guy. Où les trous en relief, là? Ne tourne pas en 3D, ce sera pas possible, mon café, comprends? Waouh, tire ou de pantalon? Waouh, ça va saisir, allez, donne l'offre là-bas. Et quand vous les parlez, on recommande, d'accord? Très bien, allez, allez, assis dans l'eau. Allez, assis dans l'eau. Allez, assis dans l'eau. Eh ben voilà pourquoi on est un commérage de l'eau tout le temps dans toute clip, c'est galope. Ils servent de liquide de refroidissement. Mais bon, comme ça, tu vois, mais pas devenue chanteuse, non. La chance maniant, on n'est pas la chance cinnamon, que ça m'a désolé. Banane à la voix, moi. Mais en fait, moi, ce que m'a toujours aimé, m'a toujours été admirative. Van Boog n'avait tout pépon mon sur la scène pour causer. Ah, ça a toujours été mon affaire, ça. Va boire avec son gobe poupée oiseau. Jardino avec son tel lointain cigarette va. Mais dit le gars, pas plus grand que ça, 11 ça, il en fait un canton avec un lot, c'est qu'un cigarette. Mais dit, ah, moi, il prend un grizzly avec un cigare, mais il défonce sa baraque. Donc, du coup, ma lance à Madame Théâtre n'a pas touché avec les improductibles. Les improductibles, ça c'était vraiment la grande époque, ça. Bon, le nom t'es choisi par hasard, mais t'es bien trouvé, t'es pas possible de produire à nous, non. 15 gars sur scène, quand un t'emmène une bouteille de coca avec 15 pipettes, 100 francs le cachet la nuit, nous t'es en l'air, c'était vraiment un bon ambiance, camarade. On avait plus de monde sur scène que dans le public. Un petit peu comme théâtre dramatique quand ils jouaient, là. Alors, ce qui fait que le directeur de salle, quand on avait un peu de journaliste, ben, tu disais, ouais, t'as trop de monde, allez, allez, c'est un peu dans le public, fais un peu la masse, fais un peu la masse. Mais t'es bien, c'était vraiment de l'ambiance époque. Mais rappelle, non, ben, maman était avec nous, bon, il ne donnera pas son nom parce qu'aujourd'hui, il est marié, il ne peut pas foutre la merde dans son ménage. En fait, il était bien simple. Il arrive sur la scène. Les baises à ou un blague. Vous riez pas? Les baises à ou deux blagues. Vous riez pas? Les baises à ou trois blagues. Vous riez pas? Il tire son maillot. Et là, tout le monde. Ben oui, c'était voilà, tu vois, en face, nous, parce que nous t'étais hier. Nous t'étais pas pareil, un peu d'azote, hein. Vous t'y rencontres toutes bonnes humoristes et fait comme ça? Et lui, ben, démarche. C'était son façon de faire. La loge était petite, mais rappelle-nous, tout est serré comme ça pour changer. Combien de fois m'a l'aventure sur la scène avec Maillot et Eric Fleuris? Combien de fois? Tout le temps, Thierry Poucou, tu as tout, tout de linge pour changer. Il était compris par ses fallait, tu as tout. Mais ça, c'était la bonne époque, vraiment, les impros. Ah, souvenir, souvenir. Puis là, ben, il fait 20 ans. Alors, des fois, il me dit, peut-être qu'il devrait passer à autre chose. Peut-être qu'il devrait faire une espèce de théâtre classique, un théâtre subventionné, gagner un peu l'argent, quoi. Hein, bon théâtre. Par exemple, il montrait sur un barrique, amarré dans un toile, un grand toile orange, comme ça, amarré, bien amarré dans un toile.
Un peu comme Kadhafi, mais sans le riban, non? Après, il sortit le baril, il roule quand même tout à terre comme ça. Je suis Gaïa la Terre. Je suis la conscience du monde. Je ne veux vivre que de crépuscules de peine et d'aurore de bonheur. Vous êtes bien voir, moi? Qui c'est qui va se faire comme ça? Qui c'est qui ça? Et la culture, la réunion, les macros, la fin, la fait comme ça, là, tout, tu tires un chéquier pour, tu vends 150 000 euros. Da! Bingo! M'a dit bingo. M'a dit bingo. Vous attirez pas? Un fois. Vous attirez pas? Deux fois. Vous attirez pas? Trois fois. Mais ça, bon théâtre comme ça, là, ça c'est bon théâtre, la Réunion, mais on fait comme les théâtres de France. Mais la cerise sur le gâteau, c'est quand les troupes de métropole, ils viennent jouer ici, au théâtre à la Réunion. Vous êtes-tu qu'on est bonnes artistes en France, ils ne boivent pas comme nous? Bonnes artistes à Réunion, ils ne boivent pas comme nous autres. Maintenant, ils boivent champagne, dans la loge. À nous, dans la blue, dans le bro. Et puis, maintenant, ils ne mangent pas comme nous non plus, ils mangent les spécialités de la Réunion. À nous aussi, un volaille grillé pour 10 personnes. C'est une spécialité de la Réunion, d'un boucanage, de bon chemin, mais ils nous mangent quand même. Alors c'est vrai que des fois, cette différence de traitement, eh ben, ils mettent à moi en colère. Et comme elle est en colère, il fait comme toute créole. Un créole, quand il est en colère, il crie. Ah, faut crier, nous les bons. Nous jouons pas trop le geste à la parole, hein. Mais nous les riens qu'on slogan. Coupe pas nous, roule pas nous, respecte à nous. Coupe pas nous, roule pas nous, respecte. Nous bataille pas plus que ça, nous nous crie. Coupe pas nous, respecte à nous, roule pas nous. Et puis ils ont remarqué qu'un créole, la voyage un peu, on dirait qu'il crie plus fort. On dirait qu'il n'a plus toupé. On dirait son estomac gonfle. Ah oui, un voyage, un créole a voyagé là, il a tout payé. Parce que le toupé, c'est pas un produit sorti ici, c'est un produit d'importation, ça. Mais regarde les oreilles, banane a toupé, ça. On dirait en Europe, là-bas, l'air est pollué avec toupé, n'a rien que ça même. Comme là, le créole, il est européen. Le créole européen, il arrive à la Réunion, il comprend plus d'ici. Oh, la Réunion, c'est trop petit. Je me retrouve pas ici. Oh, j'étouffe ici. Tu étouffes? Ton maman aurait dit tout à tout un coup. Le créole européen, il comprend plus nos assiettes mangées. Si on entre, il n'a pas un plateau de charcuterie. Et à la fin, il n'a pas un plateau de fromage. Et dans le milieu, il y a le tartare. Poisson cru. Créole, j'ai plus que poisson, comme elle écrase dans l'huile d'olive. Je dis, maman, Catherine, comment envoyer mon bonhomme à aller pêcher ma cabine grand matin pour écraser dans l'huile d'olive le soir? À moi, il n'a pas un tartare chez moi? À moi, c'est bonheur, bonheur, carré poisson. Quand il arrive tant, mon ventre est plein midor. Et puis ils ont remarqué comme il a bonne gouillave, les putes de France. Bonne gouillave comme il a, c'est gouillave australienne. Gouillave québécoise. Mais... Oh! It's you! Mary Alice! Oh, I'm so happy to see you here. Oh, it's marvelous. Hello. Oh, excuse me. Excuse me. J'ai du mal à reprendre le français, parler bien. Excuse me, j'ai pour l'accent anglais. C'est parce que mon fils fait des études au Canada. Et en fait, le problème, c'est que je suis partie l'installer. Je suis restée une semaine là-bas. J'arrive plus à reparler bien créole, français. Je mélange. Oh, Marie-Alice, I'm so happy to see you. Oh, you are so nice. It's marvelous. mon fils est installé là-bas au Canada et en fait, il est très fan de vous. Et dernièrement, j'ai envoyé le DVD Miss Funker, mais il ne comprend plus. Il ne comprend plus le créole. Il est là-bas depuis 4 mois. Il ne comprend plus. Il faudrait peut-être penser à traduire en anglais, en sous-titrage anglais, vos DVD pour nos enfants rapatriés, expatriés, patriés. C'est important pour lui. Et vraiment, parce que mon fils maintenant, il parle anglais en courant. Couramment? Yes, of course.
But vraiment, c'est super important et ça me ferait vraiment plaisir qu'ils puissent comprendre. Parce que vraiment, nous, on est fans. Vraiment. Et mon fils, il est parti s'installer. Donc, et quelquefois, il va regarder le DVD avec ses cousins à Montréal. Montréal et à l'hôtel. Je sais mieux que vous, j'ai voyagé. Et mon fils là-bas au Canada, il a un appartement avec vue sur pied d'érable. Marie-Alice, vous avez déjà vu un pied d'érable? It's gorgeous. C'est marvelous. Really, really. You know what I mean? Yes. You see what I mean? Yes. Un pied d'érable. Un matin, one morning, mon kit est gratte. J'ai ouvert la porte et j'ai balayé les feuilles d'érable. Ça fait comme un bruit pas pareil. C'est doux. C'est pas comme la feuille de badamier, non. C'est pas pareil. Vraiment, c'est marvelous. Le pied d'érable, c'est impressionnant, Marie-Alice. Vraiment, c'est un arbre. Tu l'enguettes un coup de couteau dedans. Le miel coule. Je baise la gorge de tout, j'ai vu. C'est vraiment, c'est really, really. You know what I mean? Ok, it's marvelous. Et souvent, pour les fêtes de fin d'année, nous allons dans le Jura. Mais nous allons rester au Canada cette année. Parce que vraiment, là-bas, au Canada, la neige, c'est tellement blanc que c'est plus neigeuse. Ouais. Vraiment, really. Et quelquefois avec mon fils, quand on parle sur Skype, je lui montre ce que je cuisinais, il me montre. Regarde chérie, regarde. Regarde maman faire rougail saucisse. Regarde maman faire rougail saucisse. Toi, quoi tu manges là? C'est quoi? Les deux grosses boulettes dans ton assiette là, c'est quoi? Marie-Alice, il faisait pitié. Il était en train de manger des graines de caribou. Je sais pas c'est quoi ce fruit caribou. Mais il doit être énorme pour avoir de grosses graines comme ça. Mon cœur de mère a fondu en deux. Là, j'étais obligée d'envoyer deux feuilles à Panama par Chronopos. Mais qui ça de Gouyave, créole de France, créole de la Réunion, de Moon en 20 ans de carrière à la croisée. Ma croix de monde dans le public, comme vous êtes à soir, là, ce soir. Un public qui suit à moi, plus ou moins souvent, un petit peu par rapport au pouvoir d'achat du moment. Mais connaît les difficiles en ce moment, et malgré tout, vous êtes encore là. Donc vraiment pour ça, mille merci, merci, merci beaucoup. Merci à vous. Et puis, il n'y a pas de public, ni croise dans le chemin. Et puis, il n'y a pas de public, ni croise ni ici, ni dans le chemin. Oui, bonne mounième, pas moi. Il n'aime pas moi, donc il passe côté moi et il garde pas moi. Mais il fait voir à moi qu'il garde pas moi. C'est une technique, ça? Garde pas, espèce intéressante, là. Déjà dans la télé, il vole pas haut, mais alors là, la figure m'aimait plus fraîche qu'elle. C'est des petits compliments comme ça, qui fait des petites boules sur l'estomac. Vous êtes connus en 20 ans, tout ça de boules m'a ramassé, mais gagne roumain club pétant, moi. Mais comme ça, tu croises. Mais il préfère trouver public là, dans une salle théâtre plutôt que dans le chemin. Parce que dans le chemin, quand on me croise à moi, elle est bizarre. On dirait que si on me donne le chemin, elle est étonnée, bien lui de voir à moi comme ça. On dirait que si tu crois mes vivre dans la télé seulement. Quand tu vois, mais comment si tu ne comprends pas? Mais écoute, docteur. Hé. Pas regarder ici, c'est la moindre. Hein? Ouais, même ça, quand regarde le dent. Hein? Ouais, ça, ben. Et où est-ce que tu demandes, demande. À moi demande. Bonjour. Ah, même, ça fait un Magali, c'est à moi. Ah, où ça? Ou bien docteur d'où? Ou les malades? Que ça ne peut répondre. Non, mais pas malade. En fait, mais c'est un médicament sur pâte, au contraire. L'ami vient et ça prélève tout ce qu'il peut avec moi pour gagner répondre sur la réunion. Et guérit tout. Que ça me fait docteur. Mais que n'est pas moi. L'église est pareille. Bien que tu sois ton ancien disfecteur, il y a 20 ans, tu seras fait. Tu es comme ça. Bien, je vais se faire. Bien, c'est une option.
crois en Dieu, tout puissant. Pense Pilate, pense Pilate. Ressuscité, très mort. Vierge Marie là, en fait. Je vous salue Marie Alice. Ou bien l'église d'en haut. On prie. Que sa vie peut répondre. Non. En fait, Mélanie là, parce que la Vierge Marie, elle est fan de moi. Et elle a dit, moi, viens, parce que son garçon, il fait la première communion dimanche. Elle a dit, moi, viens faire un sketch pour Zot. Maintenant, il y a ma pièce. Et la Sainte Famille, des fois, le dimanche, il vient à la case. Et pour faire rire à moi, Jésus, marche un peu sur la piscine comme ça. Il fait rire, oui. Mais dis pas, mais des fois, j'ai envie de chaper. Quand je dis, moi, l'église, c'est pas me donner, moi, la paix du Christ, mettre la quête, demande pas, mais quand ça m'y fait, là, il perturbe à moi. Et de monde tout le temps comme ça. Et puis, la cerise sur le gâteau. C'est bon, le monde qui croise au-delà du chemin, et tout le temps, il faut passer tout le message pour eux. Il y en a fait pour dire son bouc, Marie-Alice dit. Il y a un message pour passer au belle-mère, Marie-Alice dit. Il y a un foutant pour dire son voisine, Marie-Alice dit. À moi, dit. Marie-Alice, toi, mais embrasse à toi. Tout le temps, tu es dans ma télé, disons-nous ton famille, quoi. Ah, tu es belle, oui. Et... oh, toi, mais on revient, pas t'en face moi. Oh, toi. Ah, tu es belle. Et tu as forcé, hein? Tu as forcé, non? Tu as pas forcé? Hein? Non, il va à toi, bien sûr, tout là, 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 comme ça, tu as forcé, hein? Oh, toi, incroyable. Et Marie-Alice, mais mets-toi bien, moi. Ah, mais mets-toi bien. Toi, tu défends bien la femme réunionnaise. Toi, tu défends la femme réunionnaise. Tu es en graine de zone, tout ça. Tu es bien, toi. Ah, moi, mets-toi bien, moi. Mais son mami dit, tout le temps, tu parles à la femme réunionnaise, femme réunionnaise. Pourquoi tu parles pas un peu des autres femmes? Les autres femmes. Tu vois, toi, qui je dis là? Les femmes n'ont pas d'enfants, là. Ils touchent l'allocation, là. Tu vois, toi, là. Allez, Marie-Lise. Viens-moi, toi, bien, moi. Mais moi, je vois tout ton sketch, moi. Allez, se déménage, tout ça, je vis, moi. Viens, oh, toi, mais on revient pas, tu es là, mais on revient pas. Causez un peu ces autres femmes-là, hein. Ça m'aime. C'est que n'est compteur de l'eau pour que c'est un casin. Une case pour 10 familles. Un brin allumette, il brûle 3 cases. Un corps d'identité pour 6 personnes. Un même prénom pour 15 enfants. Tu vois, toi, tu vois quand je dis là, hein? Allez, Marie-Lise, cause un peu, tu aurais des choses à dire, oui, on aurait des choses à dire. Hein? Dis un peu pour moi, dis pour moi, hein? Marie-Lise, tu entends-tu comme moi, là? La guerre des parlementarisations, là? Tu crois que ça va retourner dans ce pays? Tu crois que ça va aller? Hein? Ah, moi, tu sais, moi, mais pas raciste, moi, mais ça, l'église, c'est pour dire à toi, mépris. Ah, mépris. Mais dis, je sais pas, si par exemple, un jour, il fait une cotisation pour prendre l'avion pour envoyer dans un autre pays, mécotise-moi. Ah, moi, généreuse. Moi, j'ai un petit plan livré. Ah, mais fait pas le livrer. Ah, mécotise. Vraiment, Marie-Alice, hein? On aurait des choses à dire, hein? Moi, mais c'est surtout pour les enfants. Tu crois que ce serait pas mieux dans un autre pays? Grandir avec notre grand-mère noire, notre grand-père noir, ce serait mieux, non, hein? Mais dans un guet de parlementarisation, allez, tu crois que ça va aller? Hein? Autant Marie, elle dit ça ton sketch, dis ça ton sketch, Marie-Lise, t'aurais des choses à dire, oui! Hein? Et, vaut mieux un petit chez autres qu'un grand chez nous, non, hein? T'aurais des choses à dire, dis ça ton sketch, Marie-Lise, dis ça! À moi, dis ça dans mon sketch! Après demain matin, ça, il arrive, fouillera la main devant le tribunal! Et là, quand on sort devant le tribunal, on va trouver encore une petite main. Hé, Marie-Lise! Où fait la prison d'en haut? À moi, non! Allez, passe ce message vous-même. Tout le temps, elle est comme ça. Dans le supermarché, elle est pareille. Je dis, moi, dans le supermarché, tu comprends pas. C'est pas mon frigidaire, rempli tout seul. Quand il arrive pour acheter papier toilette, moi, elle est gênée. Elle me dit juste, comme il pose la main sur le rouleau, comme ça, elle arrive. Hé, hey, viens, vous êtes tout bien. Marie, elle dit, sa cabinet, viens. La caisse, c'est pareil. Vous payez comment? Par chèque? Votre pièce d'identité? Ouais, des yeux, t'es où? Donne télé au plus joli! Que ça me peut répondre à ça? Eh bien, vous devrez passer un petit peu dedans ou? Hein?
dans le salon de coiffure, les pareils. Dans le salon de coiffure, les pareils. Corinne! Corinne! Moi, ici, au tes draps chevelin, ce chevelin, t'as pas où ça? Ou un copine L'Oréal, L'Oréal, ou non? T'es Corinne! Moi, non, longtemps, mais grave, tout ce que je fais? Ah, non, longtemps, mais grave, tout ce que je peux dire, au moins 20 ans, mais les fans, ben. Ah, moi, bien, mais ce moment, il trouve, depuis plus de temps, il passe, on dit que j'y ai, puis, ben. Oui, bouche à finir trop bien, là, c'est fait trop intéressant, comme là, on vient avec un star, quoi, hein, café, nous sommes de pauvres, il faut tracer tes têtes, ouais, café, nous pauvres, café, là, hein, il défrique, je vais comprendre, puis la race, quoi, hein, j'irai, ben, hein, mais le bouclier inventé, on va plus couler, on couille, ben, moi, quand même, ça va à l'école, là, moi, j'ai canette, cadeau, tout ça, que le bon petit garçon, ouais, ben, ah, ben, t'es j'y as, moi, t'es, café, dis un peu, non, gagne un peu de tâche, t'es dit, hein, ou dis plus, j'y ai bien, mais, alors, il est malou, avant, avant, ben, ouais, moi, là, ouais, moi, quand même, t'es bon, mon canette, l'école, moi, t'es des autres, direct, moi, t'es non, guette de tâche. Troisième tablette de chocolat sous la jupe ton sien dans le démoisi. Oh, comme t'es père de ça, les gars, t'es respect, t'as monté dans ma canette en plus, hein? Et copine, j'y ai, copine L'Oréal. J'y ai un peu, l'autre télé, j'y ai un peu. Oui, jure un peu, ma jure, un peu, d'accord, ma gueule vend plus de DVD comme ça en jurant. Mais tout le temps, elle comme ça. Parce que, Nanan Moon, mec, il commande sketch. Nanan Moon, il commande DVD avec moi. Parce que moi, comme il m'ordonne chemin, il marche pas de mon sac à main, moi. Il marche avec un casse DVD. Dans mon lot, tout le temps, on a un casse DVD, pas tout ça, mais ça va. Si un jour je passe par le port, pour c'est sûr de te mettre en tine avec un boîte DVD, c'est moi. Hésite pas à rien demander, hein. Et puis, Nanan Moon aussi, ben, il demande à moi billets pour nous voir un spectacle gratuit. Ah, ça, mon nana, ça. Moi, comme on est en 4 pans, 3 pans, tout là, tout le bon monde n'a jamais téléphoné, moi, depuis 10 ans, avec mon nouvelle. Comment il est allé, dans ton pourquoi bien ou sans blague, viens, moi, c'est de 4 pans, 3 macrèles. Mais connais-moi comment il fonctionne. Et puis, ben, justement, dernier coup. Il arrive un feu rouge, un gars sort de la balle, appuie direct dessus mon fenêtre l'auto. Ah, Catherine, pas au même temps Tine Ferry à quelle télé? Ah, où ça? T'es si à Théo? Oui, en rose, ouais? Hein? Café, pas de billets pour les gars? De billets spectacle. Bien, waouh, moi, donne-moi de billets. Hein? De billets dans le botagon, après, n'a pas de billets dans le botagon. Hein? Café, Catherine. Vous êtes belle, ouais, vous êtes mignon, ouais. Non, moi, je suis un petit peu artiste, mais pas rien, ouais. Je parle, moi, des pannes des gars dans le billets. Non, les vrais amis gars, d'où là? Cheveux là, t'as où ça? C'est belle, hein? À l'aise, sans ramasse manteau, les plus jolies qu'un Miss Lafette. Ou de figuer les plus jolies qu'un petit poupette Barbie pays. N'a pas un grimace comme Thierry Jardin, ou là, il vient côté où, hein? Pas femme cause et coque, là, du tout. Alors, même le plus dangereux. T'as fait une café d'un billet, gars, hein? Quand là, t'as où, ça? Oui, rose, ouais! Hein? Ah, ouais. Ben, moi-même, tu peux artiste, moi, mais chante un peu, me fait des reprises, moi, ben. Ah, comme il garde le petit figure, comme ah, ben, ça m'a fait que le club dirait quoi. Ben, je me lève et je te bouscule. À quoi le figure frise, comme on vient pas mort de la queue. Hein? Traumatisé. Ouais, fait rien, mais compose un peu, moi, ben, là, me sort composé, me s'attire un tube, moi. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu te confies. Nul ne saura te comprendre mieux que moi. Laisse-moi ma chance, tu verras comment on trouve. Hein? Bon, hein, t'as compris? Ah, moi, écris ça, ben. Ah, Marie-Lys, douce. Hé, négao, t'es la chance, hein? De gagner un spectacle gratuit. Laisse-moi être celui qui partage ta vie. Oui, celui à qui tu confies. Nul ne saura te comprendre que moi. Donne-moi ma chance, tu verras. Au pire, celui qui partage ta vie. Passer quelques heures avec toi dans ce lit. Je saurai prendre soin de toi. Laisse-moi ma chance, tu verras. Tout ça pour dire ça qu'en 20 ans de scène, elle a connu des milliers de situations. Faut trouver de monde dans le chemin, souvent c'est un petit causement, un petit truc qui réchauffe le cœur, un blague. Mais bon, des fois la pluie a tombé, mon cheveu est pété mal en colère.
Des fois, mon enfant est malade, alors ben, maintenant, il n'y a que le moment, mais il est tracassé, donc. Des fois, il ne réagit pas vraiment comme Zotie voudrait. Il ne veut pas dire qu'il ne m'aime pas Zot, hein. C'est juste pour dire qu'on a des jours avec et on a des jours sans. Il est comme ça. En tout cas, s'il y a bien une situation que je préfère d'entre toutes, c'est celle-là. Le moment où ça nous toutes nous retrouvons, nous, dans un joli salle spectacle comme ça, et où ça nous passe un bon moment ensemble. Et j'espère que ce soir encore, au bout de 20 ans, Malaga remplira Zot yeux et Zot cœur. Merci. Messieurs, Marie-Alice Sinamor. Ah bon, pas figurez-vous la scène, on veut bien aller. À mon sang. Ah, mais ça fait un sketch, moi, pas grave, c'est improvisé. Qu'est-ce que tu peux faire? Pas vous, hein? Que tu connais l'histoire Tarzan, Tarzan? Hein? Mais moi, je connais l'histoire Tarzan? Non, parce qu'un paquet de monde croit Tarzan, c'est. Allez, il y a un vieux chic, ça m'a dit. Rien. L'effet 48 alors. Mais bon, sur moi, le spectacle est fini. Ouais, il graine vraiment. Ouais. Mais le Alice a fini à aller là, il est wapi, c'était. Ramasse pour une autre fois. Ma vie Alice là. Le Alice. Un bluff à moi direct. Mais. Premier femme, t'es gardé non, tu sais comment. Ben. Infâme, ghetto, infâme, il cause. Tout le temps de mouler sous plein parce que femme, il cause. Non, les vrais. Femme rentre, femme les mauvais langues, Guito. Moi-même, tu connais pas. Les vrais m'a regardé, ben vraiment. C'est pas mauvais. Hein, femme, il cause. Et là, pas Bello, là, pas Nassima, là, pas Mira en ville. De moun, il y a coup de son causement. Et là, pas Natiembe, là, pas Guimbe, là, pas Christine. De monde qui t'a coup d'histoire. Et la panique qui soit grondin, qui soit pougnard. Infâme, Guito. Infâme, il y a même de monde dans le théâtre. Sauf dans le temps, c'est l'imène, jamais mes ménures imaginales à faire comme ça. Et la mycose à haut, m'aimer la broche, m'aimer la misère, m'aimer les naines, sourire à mettre l'or dans la case. M'y parle à haut, m'aimer la partie d'école, m'aimer la fée d'école. M'aimer la lèvre en l'air en flair. M'aimer militant. M'aimer l'IFR. M'aimer la Rajifa. M'aimer la rente mère. Donne ton m'aimer la guitare au collet. Un petit fille ne marche pas tout seul dans le chemin sani. Donne-le à la nuit, t'en parles même pas. Dans les années 50, infâme. Qu'aime elle tes travail. Elle te sera pas théâtre. Te sera pas cabane. Sauf.
Sauf si elle t'est sauve. Sauf si elle l'a sauvée. Sauf Ariane. Sauf Eva et son cinq filles. Sauf Marianne. Là. Me connais, Guito. Le temps longtemps, pourquoi finir pour de bon, hein, non? Quel causement de femme! Ça, bon causement, là, c'est deux boulets écrits, ça, pour elle. Alors, c'est calculé si moi, c'est une femme ou si moi, c'est un bonhomme. Moi, c'est un moun. Écoute mon causé. Et par le fait, moi, c'est la régisseuse. Et tant que deux moun, ne savent pas, mais gagne pas de tac bar au théâtre. Je connais Guito, à mon si, hein? À mon si, mon infamie attend à mon case. Ce spectacle n'est pour ma tante Thérèse.